sur la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Le colonel Moussa Kiégoro Camara, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba et le capitaine Moussa Dadis Camara sont poursuivis pour des faits de meurtre, de viol, de coups et blessures volontaires, vol à main armée, torture, enlèvement, séquestration, commis sur une population civile à l'occasion d'une attaque généralisée et systématique. Tenant compte de leur position de commandement par rapport à leurs subordonnés et leurs responsabilités en tant que supérieurs hiérarchiques, ils seront jugés sur la base de la responsabilité du commandement. En effet, il ne s'agit pas de n'importe quel supérieur hiérarchique placé dans la chaîne de commandement à l'époque des faits, mais des supérieurs qui assuraient des responsabilités personnelles à l'égard des auteurs des agissements en question, parce que ces derniers, étant leurs subordonnés, se trouvaient placés sous leur contrôle effectif. C'est pourquoi celle-ci va s'analyser ainsi du fait que la responsabilité du commandement revêt un caractère individuel. Sur la responsabilité du colonel Moussa Kiégoro Camara, l'article 28 du statut de Rome dispose « Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour, à un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité et son contrôle effectif selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses forces dans les cas où I, ce chef militaire ou cette personne savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ses forces commettaient ou allaient commettre ces crimes. Et ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. B. En ce qui concerne les relations entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés non décrites au paragraphe A, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses subordonnés dans les cas où I. Le supérieur hiérarchique savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement. Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif et le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. L'article 198 du Code pénal dispose « Une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n'a pas pris les sanctions justifiées pour les actes commis, ou encore il n'en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent, est également considéré comme auteur de l'application d'un crime visé par le présent chapitre, commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique n'exerçant pas la fonction de chef militaire qui savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes
ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou pour en référer aux autorités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. En effet, le colonel Moussa Kiégoro Camara, en sa qualité de secrétaire d'État en charge des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et des crimes organisés, était un chef militaire en ce sens qu'il dirigeait une structure étatique qui lui conférait des prérogatives de commandement. À ce titre, le colonel Moussa Kiégoro Camara a déclaré à la barre lors de son interrogatoire que son service était composé de 200 hommes, policiers et gendarmes placés sous son autorité directe. La structure de ce service obéissait aux normes administratives et militaires à l'époque, lui permettant de garder un contrôle effectif sur ses hommes. Le 28 septembre 2009, trois équipes de cette unité, dotées en moyens logistiques et en armes, se sont rendues au stade sur les instructions du colonel Moussa Kiégoro Camara. Dans ce sens, cet ordre manifestement illégal donné par le colonel Moussa Kiégoro Camara à ses hommes de se rendre au stade du 28 septembre dans le cadre du maintien d'ordre qui ne relevait pas de leurs attributions a concouru de manière directe et substantielle à la perpétration des crimes et délits. Pour s'en convaincre, M. Amadou Diallo, ancien correspondant de BBC en Guinée, a dit « Le colonel Kiégoro n'était pas dans une logique de sensibilisation, mais plutôt de dissuasion et d'intimidation, vu la nature de ses propos. Le coup que j'ai reçu est venu d'un élément du service du colonel Kiégoro, car habillé en body noir. J'ai vu le colonel Kiégoro faire un geste de la tête. » M. Boubacar Ba, le journaliste et correspondant de la RFI, quant à lui, a dit « J'ai entendu le colonel Moussa Kiégoro Camara dire à ses hommes sur l'esplanade chargée. Et c'est en ce moment-là que ces hommes nous ont gazés. » Ces différentes déclarations, qui sont parmi tant d'autres très illustratives, décrivent avec certitude les comportements répréhensibles des éléments des services spéciaux. Il ne fait aucun doute qu'en donnant l'ordre de charger des armes contre les populations civiles, le colonel Moussa Kiégoro Camara a provoqué la commission des infractions. Ces déclarations mettent en évidence que la présence sur les lieux du colonel Moussa Kiégoro Camara, chef militaire, au lieu d'être dissuasive, a plutôt encouragé les agissements de ses agents. Par ailleurs, les exactions se sont poursuivies contre la population civile dans les locaux des services spéciaux, non seulement le 28 septembre 2009, mais aussi les jours et semaines suivants à travers les actes d'enlèvement, de séquestration et de torture. À propos, Maître Kerno Souleymane Baldé, parti civil, avocat et militant des droits de l'homme, a déclaré « On a été détenu dans un conteneur se trouvant dans les locaux abritant les services spéciaux du colonel Kiégoro au camp Alpha Yaya Diallo. Le colonel Chérif Gabi et M. Koutoubou Sano connaissent l'existence de ce conteneur car c'est grâce à eux qu'on a recouvré notre liberté le lendemain. Ce conteneur était de couleur rouge, sans compartiment, où les retenus faisaient leurs besoins primaires en présence de tous les autres. Pendant les interrogatoires, je recevais des paires de gifles pour chaque réponse qui ne satisfaisait pas les agents, suivis de propos injurieux que je ne veux et ne peux répéter ici. À l'intérieur du conteneur dans lequel j'ai été détenu, deux autres personnes y étaient avant notre arrivée. D'autres aussi pleuraient et criaient la nuit sous l'effet des tortures dans un bureau à côté de là où on m'interrogeait. Les déclarations de M. Abdul Hamid Diallo corroboraient avec les scènes de torture sus-décrites quand il a dit. On était en tout 57 manifestants dans les locaux de l'antidrogue. On nous a ordonné de se déshabiller sur le champ avant d'être interrogé et placé dans des cellules. En raison du statut de journaliste que j'ai invoqué, j'ai bénéficié des mesures de détention plus souples. Après un long entretien
Avec leur chef, il a été décidé de me libérer le lendemain. Lorsqu'on a été transporté au camp Alpha Yaya Diallo, il n'y avait que des officiers supérieurs, tous bérets rouges, qui ont assisté sans aucune opposition aux différentes maltraitances qu'on subissait. Il résulte de ces déclarations l'existence certaine de conteneurs et des scènes de torture dans les locaux des services spéciaux. Au regard de tout ce qui précède, il convient dès lors de déclarer le colonel Moussa Kiégoro Camara coupable des faits de meurtre, d'assassinat, enlèvement, séquestration, torture, coups et blessures volontaires, pillage commis sur une population civile à l'occasion d'une attaque généralisée et systématique du fait de sa responsabilité du commandement, conformément aux articles précités.